Bonjour. Officiellement, l'Arabie saoudite et l'État d'Israël n'ont pas de relations diplomatiques. Et ceci en raison évidemment de l'expulsion des, des habitants palestiniens d'Israël en 1948 à Nagba. Cependant, la réalité est assez différente. En effet, d'abord en 1945, le président des États-Unis, Roosevelt, avait convoqué... Ibn Seoud pour des discussions à propos du futur État d'Israël. Ce sont les, les discussions du, du Quincy. Et au cours de ces discussions, même si Ibn Seoud a refusé de soutenir la création de l'État d'Israël, il a signé un pacte avec les États-Unis dont une des clauses prévoit que jamais l'Arabie saoudite ne fera obstacle à la transformation du foyer juif en un État à part entière. Et puis les choses ont évolué surtout en 2008-2009. À ce moment-là, l'État de l'Arabie saoudite a financé sur ses deniers propres la guerre d'Israël à Gaza. Habituellement, les guerres israéliennes sont payées par les, les États-Unis, mais cette fois-ci, pour la première fois, c'est l'Arabie saoudite qui a financé la guerre. Et plus tard, en 2013... Les, les Israéliens et les Saoudiens ont organisé ensemble, avec l'aide de l'ineffable Jeffrey Feldman, un conseil de coopération euh, commun. En fait, une, ils, ont, ils ont réuni le, le conseil de défense euh, du Golfe et le président Shimon Peres s'est exprimé via un système vidéo pour discuter avec les, les ministres de la Défense des 29 États membres de ce Conseil. Alors, ils ne parlaient pas directement les uns avec les autres. Il y avait euh, de larsène qui servait d'intermédiaire, mais de fait, le président Chimone-Pérez a participé à cette réunion. Par la suite encore, nous avons eu la création de la force arabe de défense commune. Alors, c'est bien une force arabe dans le sens que les soldats sont des Arabes, mais... Euh, la la gouvernance de cette force est israélienne. C'est le même principe que ce qu'on avait vu avec le, le pacte de Bagdad, où euh, les États-Unis, qui n'étaient pas membres du pacte, euh, dirigeaient militairement euh, cette organisation. Eh bien là, la force arabe commune a un état-major qui est installé au Somaliland. C'est un état non reconnu mais contrôlé par, par Israël. De, depuis ce Somaliland... Le, le gouvernement israélien mène avec l'Arabie saoudite la guerre au Yémen. Alors, tout ça pourquoi Parce que, euh, au Yémen et également dans la Corne de l'Afrique, l'État d'Israël et l'Arabie saoudite ont conclu un accord, qu'ils ont d'ailleurs exposé euh, au Council on Foreign Relations à Washington. Ils ont conclu un accord pour exploiter à l'avenir les, les ressources pétrolières et gazières. Du Yémen et de la Corne de l'Afrique, et puis aussi construire différents ponts dans cette région, dont un qui a nécessité, vous le savez, la cession d'îles euh, égyptiennes. Alors, on pourrait en rester là, mais en réalité, depuis quelques semaines, a commencé à Tel Aviv la construction. D'une gigantesque ambassade, peut-être la plus grande ambassade d'ailleurs à Tel Aviv, pour le compte de l'Arabie saoudite. Même si les deux États n'ont pas de relations diplomatiques, ils s'apprêtent, dans les deux ans à venir, à rendre publiques leurs relations. Le, le gouvernement saoudien a déjà désigné qui serait le prochain ambassadeur. Ce sera le prince Walid bin Talal. il doit comprendre qu'à partir de ce moment-là, plusieurs États arabes, auront des relations officielles ou officieuses avec Israël, puisque vous avez déjà le Maroc qui est partiellement gouverné par les Israéliens. Vous avez l'Égypte et la Jordanie qui ont conclu un traité de paix avec les Israéliens. Vous avez le, le, du, le Soudan du Sud et la région autonome du Kurdistan irakien qui sont partiellement contrôlés par les Israéliens. Vous avez toujours actuellement une ambassade, ou plutôt une représentation diplomatique des Israéliens aux Émirats Arabes Unis. Alors, ça a été créé sous le prétexte fallacieux d'être une représentation diplomatique auprès d'une organisation internationale, mais il s'agit bien d'une ambassade sur place. Et il va y avoir cette ambassade de l'Arabie Saoudite à Tel Aviv. C'est une chose d'autant plus importante qu'Israël et l'Arabie Saoudite sont les deux seuls étals nucléaires de cette région.